Oui, salut à vous. Il y a quelques jours, nous avons publié l'annonce des bourses sponsorisées par le département d'État, dont le pays des bénéficiaires pour cet exemple est le Togo. Beaucoup reviennent toujours à nous pour leur indiquer où ils peuvent trouver les documents à télécharger. Et beaucoup vont loin jusqu'à même nous demander de leur aider à postuler. Alors que sur cette annonce, si des gens prennent au moins une minute pour lire, ils verront que à ce niveau, comment appelle-t-on, à ce niveau, remplir et soumettre. Et plus bas, il est aussi indiqué que si des gens ont des questions de s'adresser à cette adresse. Malheureusement, des gens s'empressent, soit par manque de temps ou on ne sait quoi, l'inexpérience, ou pour trouver la solution immédiate sans investir. C'est là le danger. Il faut vraiment accorder du temps et aller méthodiquement lire en détail toutes les informations que vous avez devant vous. Pour ce cas, je vais simplement prendre ce lien-là, parce que c'est long, c'est Facebook a coupé ça. Je vais cliquer sur ça. Et je suis sur le site de l'ambassade du Togo. Pour ceux qui demandent toujours ces questions, il suffit de tout lire. Quand vous finissez de lire, vous pouvez venir ici. Pour ceux qui veulent postuler pour le Humphrey Fellowship, le lien pour l'application est bien là. Le programme est bien là. Pour ceux qui sont désireux de postuler pour le programme de Fulbright, le pré-application est bien là. Et il y a bien deux versions. Il y a la version PDF et la version Word. Et le programme est là. Et donc, tout est en fait ici. Au lieu de penser que vous pouvez trouver la solution ailleurs sans investir du temps, cela ne vous rend pas un grand service. C'est aussi important pour vous d'investir du temps pour chercher ce que vous voulez et non de toujours demander aux gens. Rappelez-vous, ce programme, ça s'annonce comme une très bonne bourse, mais elle n'est pas aussi facile. Il faut s'y investir. Il faut avoir le niveau de langue requis. Et avoir le niveau de langue requis n'est pas suffisant. Il faut avoir l'humilité d'écouter les conseils de ceux qui avaient déjà gagné cette bourse. Et surtout si vous les connaissez, vous pouvez leur adresser votre dossier préparé pour qu'ils les évaluent, pour qu'ils vous donnent des observations qui peuvent vous aider à pouvoir rester dans la compétition. Sous peu que pour le programme de Fulbright, par exemple, pour le Togo, c'est peut-être 4 candidats seulement qui seront sélectionnés. Et vous qui allez suivre cet élément, prenez le temps de vraiment vous préparer pour vous mesurer à la taille des exigences. Des gens sont passés par ici, ils ont été heureux de l'avoir eu, ils ont connu du succès. Et donc ce n'est pas en allant à toute vitesse sans vouloir investir du temps que vous pourriez éventuellement vous aligner. Ne blaguez pas, les Américains ne blaguent pas non plus. Je retourne sur la publication sur la page de BSB Togo. Et là, plus loin, on a bien indiqué en bas. Les dates de clôture ont été bien, bel et bien indiquées. Mais on a dit plus d'informations, il y a aussi un lien. Et en cliquant sur ce lien, on voit clairement l'annonce qui est bien ici en français et toutes ces informations-là y figure. Prenez le temps donc
de bien lire les instructions avant de vous inquiéter. Les Américains ne font rien au hasard. Tout doit être transparent et les candidats ont le droit d'avoir l'information dont ils ont besoin pour postuler. Sur ce, nous souhaitons bonne chance à ceux qui sont désireux de postuler aux différentes opportunités. Allez, bye bye.